Alors, qu'est-ce qu'une map RPG, me demanderez-vous, jeune téléspectateur? Eh bien, une map RPG, comme vous voyez là déjà dans le décor, c'est pas une map Stadium, clairement pas. Dans le sens où c'est une map qui somme... En fait, RPG, je pense que ce qu'il faut entendre par RPG, c'est vraiment le côté monde à explorer du jeu de rôle. Et du coup, bah, les maps RPG, c'est ça en fait, c'est vraiment des maps différentes. Genre là, on voit, la map s'appelle Nightly Coast, pardon, par Styrax Oak. On voit son nom en haut à droite, genre hop, juste par là, si vous pouvez bien la souris. Et du coup, l'idée du RPG, c'est vraiment ce monde à explorer. Et bah voilà, quoi, Trackmania, c'est. Trackmania RPG, pardon, c'est ça. Alors, c'est vraiment le jeu. Salut le chat. Oui, le chat m'a fait un peu peur. Bref. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment le jeu bah, quasiment vanilla, juste les scripts qui changent. Mais si vous avez Trackmania Stadium, vous avez accès à Trackmania RPG. Peut-être même les autres Trackmania ont accès à Trackmania RPG. J'avoue, j'ai un peu de mal, moi, de suivre avec. Trackmania, Stadium, Canyon, Valley, Underscore, United Nation Forever. Alors, il me semble que United Nation Forever, c'est la version gratuite. Enfin bon. Alors là, il m'indique un texte parce que je me suis approché du point d'interrogation. Attends, on va recommencer là. Pas de nom. Voilà. Du coup, l'idée des maps RPG. Bah, comme d'habitude, c'est d'être le plus rapide, hein, ça change pas quoi, c'est Trackmania. Mais la première idée en fait, c'est vraiment de finir la map, de trouver son chemin là-dedans. Et pour ça, bah, il n'y a pas 36 solutions, hein, il faut explorer. Et là, je suis au premier checkpoint, on voit en bas qu'il y a 17 checkpoints à atteindre. Et du coup, bah, il faut se balader et trouver le chemin. Alors dans les maps RPG que j'aime le moins, il y a des pièges, genre des faux chemins, des trucs qui mènent dans des impasses ou des trucs comme ça. Et bah voilà quoi, tout le challenge vient à, pardon, à trouver bah, son chemin. Comme là par exemple, bah, je suis un peu perdu. Hein. Et du coup, bah là je cherche tout simplement. Genre là j'ai vu qu'il y avait un passage par là. Caméra 3, caméra 1, ok d'accord, j'ai réussi à m'embourber, ok. On va revenir au checkpoint. Genre là, je vois que je peux aussi sûrement monter là-dedans, non? Alors tout le challenge, je viens de savoir bah, où est-ce qu'il faut aller, hein, trouver le checkpoint 2 et... Hop, caméra... Quel était ce checkpoint? Je ne comprends pas où est-ce que je suis. Je reset. Oh là. D'accord, si je reset, je suis dans une montagne russe. Alors là, j'ai pas le choix de ma caméra. C'est assez original. Alors, c'est quand même l'un des gros intérêts des maps RPG de... Comme ça, bah c'est le... leur originalité. Genre, ça, bon bah voilà quoi, c'est clairement pas du Stadium. Hein. Hop. Alors certaines peuvent être assez agaçantes, clairement. Sur une des maps RPG que j'ai fait avec Picmo, un ami, j'ai passé une heure sur un même checkpoint. Bon voilà quoi, ça peut être assez énervant. Ok, checkpoint 3 d'atteint. On reset pour ressortir. Et ensuite, c'est par où? Ah mais là je tombe dans le vide. Attends. Alors en ligne droite là? Je pense pas. Je pense que la ligne droite ça a fait péter la vue. C'est peut-être pas par là. Mais du coup je peux peut-être descendre par là, non? Non. Bon, il faut descendre par là. Mais ça me paraît extrêmement bizarre. Non, j'ai quand même des doutes. Hein, bon, est-ce qu'ils veulent qu'on descende comme ça? Je vois pas le rapport. Alors, ça, par exemple, bah, du coup, c'est partie de ma map RPG que je n'aime pas.
Parce que bah on sait pas où faut aller, tout simplement. Et j'avoue que ça, eh bien, ça m'agace. Genre. Ah, ou alors là, faut aller full speed dans le truc rouge devant, là. Ah, je suis pas loin, hein. Ça me paraît bien. Ok, on est bon. Alors, je suis dans une cale de bateau, très bien. Je pense que là, il faudrait que j'arrive à passer là-haut. J'ai l'impression que la musique du jeu est un peu forte, non? Attendez. Hop, dans le doute, je réduis un peu. Bonjour à toi, téléspectateur qui vient d'arriver. Je vois le petit compteur. Bienvenue sur Restaurant Infinite Drift. Alors, où que c'est ensuite? Sûrement pas par là. Ah, je suis bloqué, c'est ça? Ouais, je suis bloqué. Ah non, bah non, je sais, attendez. En fait, il faut... Hop, voilà. Et ensuite, il faut rouler là-dessus. Hop là. Là, on accélère pour aller là. Ah. Bon, on voit le fantôme d'un autre joueur, c'est sûrement qu'on est sur le bon chemin. Je vais même afficher son nom. Hop, un petit peu de vitesse. Hop, ah, un petit... Quel enfer. Ah! On voit que si je suis un serveur pas extrêmement peuplé, hein, on est 6. Ah, bon sang. Bon sang, bon sang. Ok, c'est pas ça. Alors. Ah, mais non, mais. Ah là là. Ah, on avait un petit peu de vitesse, là, c'est dommage, on a... Ou alors, faut juste s'arrêter sur la plateforme. Ou alors, genre, juste passer par là. Non. Il entre. Quel enfer des Carpates. Alors. Hop. Non plus. Bon, il n'y a que 17 checkpoints, mais vous voyez, à ce rythme-là, ça peut prendre du temps. Ok, mais du coup, là, éventuellement, je vais faire, c'est je peux m'arrêter là-dessus. Ah non, non. Non, allez. Bon, rien de s'acharner, hein. Ta 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 ta. On va y arriver. Hop. Bon sang. J'arrive même plus à faire ce saut là, c'est terrible, là je suis déconcentré, désolé. Oui bon bah là j'avais pas trop de... d'espoir mais bon. Hop. C'est incroyable ça, dis donc. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen par hasard de filouter? Bah j'imagine un truc par là. Non. Attendez, j'ai entendu. Nous allons peut-être être rejoints par un invité de marque.
Peut-être. Nous allons voir. Hop, excusez-moi, je reviens à vous. Voilà. Alors. Donc. Là, je passe par. Oh là là, quel enfer. Quel enfer, mes amis. Ah! Eh ben non. Toujours pas. Non plus. Ok. Alors, hop, 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 hop. Hop. Non. Ça va pas parce que j'ai toutes mes roues dans le vide. C'est vraiment infernal. C'est vraiment infernal. Non plus. Ah là là. Ah là là, quel enfer. Bon. Ça, on sait faire. Hein, cette partie-là, on la maîtrise. Ok, attendez, je vais tester quelque chose. Non. Je vais tester à tout hasard si en marche arrière, ça ne serait pas mieux. Eh bien, la réponse est non. Alors, je vois Picmo qui est sur ce serveur. Bougez pas, donnez-moi quelques instants. Hop. Hop. Ah putain, mais quel. Pardon. Quel enfer. Non. Ok. Ah là là, mais. Ça fait bientôt 10 minutes que je suis dessus. Comment je suis censé passer là? Ah, il y a du mieux, hein, il y a du mieux. Il y a du mieux. Bon. Peut-être que c'était pas une bonne idée de faire des maps RPG, hein, va savoir. Bonjour à toi Picmo et bienvenue sur le stream de la finalerie. Merci, comment ça va? Bah écoute, c'est un peu la panique parce que ça fait presque 10 minutes que je suis sur un même CP. Ah. Et c'est assez infernal. Bah moi je trouve pas le deuxième. Alors le deuxième, il faut que tu ailles dans l'escalier en béton devant toi. Non. Quand tu resets au CP, t'as un escalier en béton qui monte devant toi. Il est vraiment en ligne droite. Hein. Un escalier en pente, tu veux dire? Ouais, en pente. Ok, je l'ai trouvé. Ah bah tu montes tout en haut et tu te laisses guider. C'est louche, mais c'est bien le prochain CP. Hein. Y a pas de. Allez, merci. Alors. Gna 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 gna. Essayons peut-être de prendre un petit peu de vitesse sur cette fichue plateforme. Non, j'ai une roue dans le vide. Créneau de nom. C'est terrible.
Alors et du coup, Picmo, raconte-nous ta grande expérience des maps RPG. Car tu es toi-même un grand RPGeur de Trackmania, n'est-ce pas? Oh bah oui, ça fait au moins 4-5 ans que je joue à temps plein sur les maps RPG. Ouais, voilà. Si je ne dis pas de rire, tu as même remporté la coupe RPG Cup 95. Tout à fait, 94. Mais... Ah, 14, excuse-moi. 95, c'était ton père, non? Non, 95, il n'a pas eu. Parce que apparemment, les voitures étaient pas arrivées sur les maps RPG le temps de. À la date de la course. Terrible, terrible nouvelle. Ah, peut-être une. Non, toujours pas. Oh là là, mais quel enfer. T'as le checkpoint combien? 4. La VOD sur YouTube sera passionnante. C'est globalement moi qui vais galérer pendant des heures. J'aurais peut-être pas dû faire du RPG. Ok, c'est bon. Checkpoint 5 atteint. A partir de là, examinons un peu notre environnement. Question de descendre, je vois une porte que je ne peux pas franchir, très bien. Et sûrement pas par là. Et c'est pas par... Ah non, j'ai remarqué, il faut tomber sur la table, ok. Mais comment on y va sur cette table? Là, si je vais en pleine ligne droite... Ah, mais il y a une table devant moi. Je me souviens du checkpoint 3. Ça ressemble à quoi? Tu commences à côté d'un tuyau et j'ai l'impression qu'il n'y a que à gauche qu'on peut aller, il y a des vitres en, ah oui, en vert vert. T'es descendu des montagnes russes? Ouais. Dès que tu reset, tu vas full speed à gauche, tu fais un grand saut et t'arrives dans un cercle rouge. Ah d'accord, je vois lequel c'est. Voilà. Hop. Attention. Attention. Pas facile. Et cette map là est pas facile, je crois, oui. Mais par où? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le chemin que je dois prendre. Checkpoint 4. Alors je te dirais bien que le checkpoint 4 est pas compliqué, mais j'ai passé beaucoup trop de temps pour pouvoir te dire ça. Ok, ça c'est réussi, très bien. Ensuite... Une porte. Ensuite un saut. Ah, faudrait-il tomber dans l'eau? Prenons un peu de vitesse. Ok. Pour mieux se retourner. Tu me vois là ou pas? Non. Ah oui. Alors, globalement, c'est là où il faut que tu ailles. Ça, alors, c'est simple. la stratégie que j'ai utilisée, moi, c'est juste avant de faire le petit saut transi truc rond chelou. Ouais. Je me suis bien collé au mur en ligne droite. Ouais. Et je suis passé à gauche de la petite boule sur le truc rond. Gauche. Pas évident de passer à gauche. Ouais. Mais du coup, je suis allé en full speed comme ça et c'est passé. Ah oui, d'accord. Ok, donc ça c'était un bon gros piège. Parfait. Ça fait plaisir. Hop. Hey Picmo, je t'ai vu. J'ai vu ton nom apparaître en bas de mon écran. Hop là. Ok. Très bien. Et ensuite... Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Ne faudrait-il pas rouler là-dessus? Ok, parce que... Ok. Yes. Ok, donc là, le plan, c'est que tu avances sur la route... là.
Ensuite, tu vas à droite sur la première table. Tu peux ralentir toutes les tables, hein, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de vitesse. Ensuite, là, tu vas à gauche. Puis, diagonale gauche. Une ligne droite et ligne droite. Et ensuite, à droite, t'as une porte. Et moi, j'en suis là. Et là, je suis bloqué. Parce que, bon, globalement, là, on a encore que si je fais le tour, il n'y a pas une petite porte cachée. Ah, ou alors, faut aller là-dedans. Ok, j'ai peut-être trouvé où faut aller ensuite. Ouais, là faut vraiment que t'ailles tout droit. Ensuite, t'as une porte à droite. Ah bon sang, je fais n'importe quoi. Bon, n'hésitons pas à prendre notre temps, car comme le dit l'adage, qui prend son temps, gagne du temps. Après, t'es monté sur la petite bordure, j'imagine. Ouais, je soupçonne qu'après ça, il faut aller dans le... Là, là, dans la sorte de fenêtre verte qu'il y a dans le bâtiment octogonal. T'es où? T'es monté sur les rebords, mais... Ah oui, tu veux dire là? Ouais, voilà, genre par là. Ah oui. Enfin, ça, je suis pas trop sûr de comment... Bah, vitesse, hein, sur les bordures. Non, te retourne pas, s'il te plaît. Ouais, mais comment tu... Comment t'as assez de vitesse? Je pense que là, t'auras assez de vitesse. Ouais, c'est sûr. Non, te retourne pas. Eh bien, si. Ah, toutes les roues étaient pas sur la rambarde. Ok. Ok. Ok, on est bon. Ouh, je me suis pas renversé. Ah, c'est plutôt l'odeur d'option qui est arrivée sur le serveur. Ah ouais, ça se sent. Ok. Ah. Je vois à gauche, il y a une pente. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un CP. Je regarde d'abord s'il y a un CP. Ouais, il y a un CP juste au-dessus. On est bon. Allez, une petite rasade d'eau pour fêter ça. De toute façon, les arbustes, ils sont pas traversables. Ah ouais. C'est les arbustes en acier massif. Ah oui, ah, j'aime pas trop les arbustes en acier massif. Je trouve que ça tue la nature. Moi. Ok, bah c'est bien, on est là-haut. Par là, non? Ah, y'a vite. Ok. Tu sens le jeu qui se fout un peu de notre tête? Des arbustes en acier massif. T'es sûr qu'ils étaient en acier massif et pas transparent par hasard? Ah, derrière. Il y a un truc. C'est par là. Oh la vache. Caméra 3. Dis-moi qu'il y a un CP là-dedans. À droite, en sortant. Ah, oh putain, fatalité. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Oh fuck it! Oh fuck my fucking life! Pardon. Pardon à tous nos téléspectateurs anglais, hein, bien évidemment. T'es passé? Ouais. Oh le beau gosse. Les autres sont un peu plus simples. J'ai oublié qu'il y avait un checkpoint dedans. Du coup, j'ai refait le petit saut à l'extérieur.
Saut à l'extérieur. Bah, le saut pour rentrer dans le truc vert. En fait, vu que j'avais oublié qu'il y avait un CP. Merde, pardon. Bah, tu commences, quand t'as fait ton reset, t'as commencé dedans, non? Ouais, ah, mais non, j'ai pas fait d'été tombé, mais t'as pas reset. C'est ça. Parce que je me suis dit, oh, mais non, mais j'ai pas envie de recommencer au CP où faut sauter sur les tables. Après, c'est. Il y a un CP une fois que t'as monté les trois côtés du. Putain, t'as passé en first try ce saut, toi? Ouais, le premier, et c'est le plus dur des trois. Juste, je suis allé tout droit. Mais j'arrête pas de foutre deux roues à côté. Ouais, je vois sur ton stream. Je t'observe. Oh, le stream hack. Peut-être un peu trop vite. Moi, je me suis mis parallèle et. J'ai pas pris de virage avant, je me suis mis tout droit et j'ai tourné à droite. Ok. Ok. Alors, je peux partir. Ok. On est bien, il est dans le CP. Oui. Ok, et là on reset. Et nous sommes dans un nouvel environnement. Oh, plot twist. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut en abuser de la caméra 3 là-dedans pour avancer. Oh putain! What the? Moi je suis dessus. Qu'est-ce que je fais? C'est bon! C'est... À gauche. Ah non, t'as bon. Je suis pas sûr. Ah, c'est qu'il y a dans tous les côtés. Écoute, je prends celui-là. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un piège en dessous. T'atterris sur une sorte de gros conduit d'air chaud. Ouais, non, c'est pas celui-là. À gauche, je vais peut-être atterrir sur la muraille, mais est-ce que ça m'intéresse? Je regarde dans le cadre. Attention. Non, pas d'intérêt. Il y en a un derrière nous, ou quoi? Si, si, c'est dans le conduit d'air chaud qu'il faut rentrer. Il faut rentrer dedans. Et comment tu veux rentrer dedans, toi? Je sais pas, mais en tout cas, c'est... ça a l'air d'être ça. Faut rentrer dans le conduit. Bon. On voit pas grand chose. Saut de la foi. Je freine à fond. Ah. T'es dessus? Bon, j'ai touché, mais je suis pas rentré. Je pense à caméra libre. Ah, mais en fait, faut tourner dans le truc rouge. Oui, dans le truc rouge, c'est le conduit. Ah, bah oui, mais non, moi je l'avais pas ça. Je le voyais pas. Ah, je pense que je l'ai. Je l'ai. Attention, maintenant que je sais qu'il faut faire ça, bah oui, c'est vachement plus simple. Il y a le checkpoint dedans. Hop. Et voilà, checkpoint. Full speed, ligne droite. Non, full speed non. Devant nous à droite. Ouais. Attention à pas cogner au milieu des. Attends, quoi? Ok, c'est bon. Coucou. Ah mon dieu, les flammes. Demi-tour. Il y a quelque chose là-dessous. Faut se laisser tomber. Faut passer en travers des feuilles qu'il y a devant. T'es derrière moi ou pas? Ouais, je suis là. Ok. Pas il y a un tremplin sur la droite. Ouais. Et mets-nous ce tremplin. Plus en hauteur. Putain, c'est lumière qui me pète les yeux. Là, il y a un petit trou. Avec un virage. Oui, ça me paraît bien ça. Bim. Ok, plus que 7 CP, on est bien. Hop, un peu de vitesse. Et à droite, il n'y a rien. Il n'y a rien comme ce qu'il y avait rien dans le trou sur l'autre map ou il n'y a rien? Attends, je suis sûr qu'il y a un truc en fait. Non, il n'y a vraiment rien là, je suis pas fou. Non, il n'y a rien. Ce qu'il y a rien.
Mince, je vais prendre la vitesse en sortant de là. Parlons. Ok. Je me demande s'il faut pas sauter à droite en fait. Tu vois, sur ce truc là. Ici, devant toi. Ah ouais, attends. Ah, non, l'angle le permet vraiment pas. J'y crois pas. Vas-y. Ouais, non, t'as rien, t'as rien. Par contre, dessous, y'a pas un truc. Parce que là, tu vois, y'a des. Ah, y a attends, des... là. Recule. Attends, là, t'es où? Tu es là. Là, tu vois, y'a un truc. Je pense que depuis la passerelle. Ah, on peut sauter en haut. Ouais, puis si là on prend un peu de vitesse peut-être. Alors ça me paraît chaudax quand même. Peut-être en partant depuis l'intérieur. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Non, bon c'est pas ça. Non et peut-être simplement après le saut là tu pars direct à gauche. Ouais, je pense que c'est ça la strat. Tu vas full speed à gauche. Ouais, ok. Il faut juste arriver à ne pas cogner dans les trucs. Ah là là. Ah, c'est chaud quand même. C'est plutôt chaud, patate du popotin. Ok. Attention, non. Toujours pas. Non plus, j'ai cogné. Non plus, j'ai encore plus cogné. Ah mais c'est cette grosse boule du milieu qui... Ça, c'est toujours chiant les grosses boules. Moi je le dis haut et fort, en live, les grosses boules, ça m'a toujours fait chier. Bon. Bah ça me paraît beaucoup trop... Ah putain. J'ai réussi. T'as réussi? Ouais. Ok, bon ben très bien. Je vois qu'on peut plus rien dire hein, maintenant de toute façon. T'allais dire, ça me paraît beaucoup trop tendu pour que ce soit là. Bah voilà. Pas compliqué, tu me demandes si arrives pas. T'es parti à droite dès le début là? Sur le balcon? Ouais mais je sais pas si c'est ça. On peut pas revenir en arrière. Ok, bah attends, je vais rester dedans. Dedans, je passe sous une table, je vais à gauche. Ouais! C'est devant à gauche. Essaye de faire une marche arrière violente dans le. Pas trop. Il y a la sardine qui. Qui semble être en plein doute. Ah non, c'est le thon, pardon, qui est en plein doute. Alors, s'il faut aller dans le trou ou pas. Le gros trou rouge. Ah oui. Hey Picmo ! Allez Picmo ! Allez Picmo ! Allez ! On passe en caméra libre, on t'observe. Attention. Dommage. Attention. Le voilà le concurrent qui s'élance. Et il est passé. Merde, je me suis jeté dans le vide moi. Il passe sous la table et c'est à gauche. Ah, ok. D'accord. Alors on passe à sous la table devant à droite mais avec un petit peu de vitesse. Faut atterrir sur une plateforme. Mais pas trop de vitesse non plus parce qu'il faut atterrir sur la plateforme. Ok, il y a un piège au milieu, très bien. Ensuite tu vas sur l'autre plateforme, puis à droite t'as un truc qui descend à droite. Oh il y a un boost là, faut aller où? Ah non, non, je vois le checkpoint mais j'ai Turtle devant. Non. Hop. Laissez passer. Non, je... Désolé. Ah non, j'ai pris le volet. Non plus, j'ai repris le volet. Oh là là, mais quel enfer du popotin! Attention!
Allez, non, 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 non. Toujours pas ça. Non plus. Attention. Ah, ta 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 ta. Oui, je suis Ken le survivant. Ça vous plaise ou non? Je suis Ken le survivant. Ok. Là, je suis un petit peu piégé en mode comme un peu. Okay. Là, voilà, je le suis. Ah, oh, putain, c'est dur. Ouais, ouais, ce boost de fin, il est assez ignoble. Déjà, il faut arriver jusqu'au boost et ensuite, t'as un truc qui te propulse et tu maîtrises plus rien. Ok, non! Mais il y a un mur invisible, ma parole! Où est-ce que je suis, moi? J'ai l'impression qu'il y a un mur invisible. Quel enfer! C'est pas là où il faut aller. Non, mais il y a clairement un checkpoint après ce boost, on est d'accord. J'ai pas rêvé. Est-ce qu'il faut pas aller dans le petit tunnel qu'il y a au fond? Non, mais attends, là. Je pense que tu fais carotte. Là, on se fiche de moi. Je pense qu'il faut aller au bout. Sous le petit pont. Ouais, je pense que t'as raison. Il y a un checkpoint dedans aussi. Oh, ce truc de. Fils de. De personnes respectables. Ah putain. Non. Hop là. En marche arrière, ça passe large. Alors, caméra. Caméra 4. Caméra 1, caméra 4. Non. N'hésite pas à freiner dès le début, hein, dès que t'es dans le saut. Bon, oui, alors. Voilà. Caméra 1, caméra 2. Caméra 1, caméra 2. Caméra 1, caméra 2. Pour ceux qui savent. Attention. Oui, elle est belle celle-là. Marche arrière. Yep. Nickel. À partir de là, je ne sais pas. Moi j'ai traversé, mais je sais pas si il fallait traverser. Oh bah si, je pense qu'il faut ton. Attends, comment ça traverser? Ah, t'as pris le petit saut et. Ouais. 12. Ah, on a un int, je sais pas chez toi, mais moi j'ai un int. Oh, j'ai int point 3 points d'interrogation. Ouais, mais je pense que c'est subtil comme. Alors déjà, faut réussir à passer le saut, hein. Alors moi, m'est avis qu'il faut aller dans rouge, puis ensuite dans du rose, puis du bleu. Ou alors rouge, jaune, vert. Rouge, rose, bleu. Je sais pas blanc, si je prends rouge, les jaune. Point d'exclamation. Attends, rouge. Il y a du rose là-bas. Il y a du rose ici. Ouais. Rose. Bleu. Là, il y a du jaune, je sais pas trop. Là, il y a du bleu. Il y a du c'est bleu. Blanc. Le blanc, je le vois pas. Bah, c'est là, je pense, c'est où je suis. Ouais, peut-être. Rouge, tout ouais. Non, le blanc, il est là. Le blanc, il est là. Y a pas de doute. Ensuite, faut trouver du rouge. Là. Et ensuite, du jaune. Devant nous à gauche. Pour terminer du vert qui sera devant nous à gauche. Checkpoint et voilà. Franchement, aise. Grâce à mon cerveau positronique, qui me permet de me retourner tout en ayant la grande classe. Putain, pardon. Ah. Bon sang, mais. Et comment t'es censé passer ce truc là? It is ridiculous. Mais sérieux là, je suis comme un benet J'ai deux roues dans le vide. Ok, c'est bon. C'est pas là, je pense. Je me trompe. Ouais.
Ouais, non, c'est pas ce bois. La pierre, je ne pense pas. Un passage par là. Non, par là. Parce que par là, moi, je vois un tuyau devant. Un tuyau qui me tente vachement de m'engouffrer dedans. Dès que tu vois un tuyau. Ah bah, tu me connais, hein. Ouais, ce tuyau monte. Moi, je suis confiant. Et je vois une lumière au bout du tuyau. Un peu perdu là. Attends, je passe en caméra 4. Juste histoire de confirmer ou infirmer que j'ai bien un escalier. T'es derrière moi ou pas? Je suis dans le tuyau. On te voit là. Tu remontes l'intestin grêle, c'est incroyable. Alors quand tu sors du tuyau à gauche là, il y a un escalier. Fais-moi confiance. Oh putain, oh putain. Bon. C'est peut-être pas tout à fait Je sais pas, hein. Ça se trouve le tuyau c'est totalement un gros bait. Oui. Donc, comment est-ce que je suis dans ce tuyau moi? Je peux pas me retourner s'il vous plaît. Là j'ai un peu bené à faire ma tortue dans le tuyau. Parce que là il y a plein de trucs dans tous les sens. Ah non là il y a rien. Ouais mais on peut pas sortir dans tous les sens. Là il y a un autre escalier. Ah t'es dans le terrain vague. Ouais. Non ça m'arrête là. Hein. Un truc qui est vraiment le plus lent, ces tuyaux, je trouve, moi, c'est de pas se retourner. Bah, il suffit de parler. Ah putain, ouais, je dis ça, je me. Ok. Attends, à tout hasard. Est-ce que ça serait pas plutôt par là? Gauche. Non, c'est clairement pas à droite. À droite. Hein? Non, j'ai dit à gauche aussi. Parce que là, descendre l'escalier, je pense sincèrement que c'est pas faisable. Alors, analysez-moi. Vas-y, analyse, mon ami, analyse. L'escalier, il descend en bas dans le terrain vague, mais il descend là où on a commencé. C'est ça. Pas très intéressant. Là, par contre, à gauche, sur la petite passerelle, sur le petit pont là, qui monte. Qu'est-ce que t'appelles sur le petit pont qui monte? Sur la gauche. Ah ouais, ok. Qui en fait le qui continue le petit ponton qu'on a contourné par le terrain vague. Ouais. Putain, je peux pas faire demi-tour vraiment. Alors, c'est quand même pas si simple. Je confirme. Faut pas être sur le toit. Hop, 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 allez. Donc, comme nous l'a dit Pikmin, la stratégie c'est de ne pas rouler trop vite là-dedans. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Merde. Est-ce qu'on peut aller rouler sur. Ah non, non, non. Je me suis retourné. Oh, et ma roue est... Ah là là. Appeler un médecin. J'ai aucune idée. Je pense qu'il faut suivre le cours d'eau. Ouais, mais en haut, je suis arrivé en haut et... Je sais pas s'il faut de la vitesse et sauter dans le truc. Mais comment t'as fait pour sauter là-dessus, toi? Incroyable, ça. Un peu de vitesse, je vais reculer au niveau du tuyau et... Enfin, tout droit un peu à gauche, un peu à droite. Pas gauche, un peu gauche. Perplexe. Alors.
potion. Ah, mais c'est le cours d'eau à l'envers, peut-être. Mais je me cogne comme un gros benet sur les barrières, moi, c'est terrible. C'est incroyable. C'est incroyable. Et attention. Oh non, mais dis pas que je suis trop rapide cette fois-ci. Oh là là, fuck my fucking elephant, comme on dit dans Overwatch. Je vous promets, j'ai vraiment entendu quelqu'un dire ça dans Overwatch. Fucking quoi? Un gamin s'énervait et dit go fuck fucking fuck elephant. Fuck elephant. Ouais, un fucking funk elephant. Ok, je suis sur la passerelle. Putain, je suis tombé comme un fils. Hop, 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 on est en live. Pardon. Langage. Ça fera 5 euros de donation. Ouais. Oui, je pense que c'est au bout, à droite. Au bout, à droite. Oui, parce que là, il n'y a plus de barrière, c'est ça que tu veux dire? Dans l'eau, je veux dire. Si tu suis le cours d'eau, je pense que c'est au bout, à droite. Enfin, je suis pas sûr. J'ai reculé pour y aller. Ah oui, en effet, je vois un passage rouge. Ouais. Et il y a un checkpoint. Évidemment. Putain. Alors je vais faire si je vais placer la caméra pour que vous puissiez voir Picmo le temps que moi j'aille chercher à boire. Hop. De là vous verrez Picmo sauter et moi je vais chercher à boire. Je te laisse gérer le stream Picmo. Bon courage. Il était un petit navire. Il était petit navire. Il n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Il était un petit navire. Me revoilà. Petit navire. Salut. Alors, est-ce que le stream a été diverti? Ça a l'air d'être la folie. Bah écoute, je vois nos deux viewers. Genre extrêmement diverti, sachant que dans ces deux viewers, il y a toi. Et il y a Commander Root, mais qui je crois est un bot. J'ai l'impression aussi. Ou alors c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de streams. Et il y a Slow Cool. Et non. Lurx. Yeah. Évidemment, j'explore toute la map, je passe du first try le saut, et au moment où je tombe, tu réussis, et du coup, toi tu trouves le checkpoint, et puis voilà. Ah bah oui, non mais clairement. Du coup, c'est moi qu'on attend. Du coup, Lurk, c'est Slow Cool, si jamais vous êtes des vraies personnes, bienvenue sur stream. If you are real person, welcome on my stream. Je ne sais pas le dire dans l'autre langue, du coup, désolé. Voilà. Bienvenue sur ce stream. Bon, Picmo. Écoute, on a discuté. Toi et ta mère, on en a marre. moi et ta mère. Ah non, non. Moi et ma mère, on en a marre. C'est plus dans notre vie. Voilà. Tion, hop. Oui, il est beau ce saut. Non. Aussi, non. Ah. Bah non. Bah non, bah hein. Non. Bah non. Hop, tu sors par là. On te voit. On ne te voit plus. On te voit. On te voit. Oui. On voit tes plaquettes de frein rougeoyées. Rougeoyées, tu veux dire. Le French Beaver. Le French Beaver, pardon. Qui me confirme que Lux et Slow Cool sont bien les bots. Merci. Du coup, nous avons maintenant 3 viewers. Deux bots et le French Beaver, Nico, salut et bienvenue sur le stream de l'infidélerie. Comme tu peux entendre avec moi, j'ai la douce voix suave de Picmo, que tu connais très certainement. Elle est pas suave, ma voix. Pardon, la voix non suave de Picmo, que tu connais très certainement. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Nico.
Mais c'est à dire que j'ai en moyenne tout le temps 2 viewers. Mais comment du coup je peux avoir une moyenne de 1,8 viewers sur mes streams? Oh, c'est beau ce saut. Ce saut était magnifique. Qualité. Clairement. Un saut digne des streams de l'infini. Alors là, au cas où tu te demandes, Nico, je suis en caméra libre, car moi, je suis un peu devant, et j'attends Picmo. C'est pas dit de manière... voilà, parce que très souvent, il m'attend, du coup, c'est... On forme une bonne équipe là-dessus. Et bien, du coup, moi, ça va très bien. Et me voici ici. Hop. Derrière Picmo. Je propose de rentrer dans ce grand truc. Bah non. Non, je propose de pas rentrer dedans. Là, derrière toi. Comment ça, derrière moi? Oh, bien vu! Ah, merde, oh, t'es assez à droite! Ok. Un peu de vitesse pour sauter sur la droite. Très bien. Un petit peu de vitesse pour sauter sur la droite, mais j'étais trop en avant. Pas de panique. Yap. Ah, je suis bloqué. Mon spoiler est bloqué. Non, mais pourquoi je prends trop de vitesse? C'est incroyable, ça. J'ai aussi ces bots, mais comme ils sont inactifs, ils sont pas comptés dans ta moyenne de viewers, je crois. D'accord, ce qui me paraît plutôt logique. Ok, ensuite, là, je suis sur la plateforme, je pense qu'il faut aller à gauche. Oui, il faut aller à gauche et il y a une autre plateforme devant à droite. J'espère passer en caméra 3, tu verras plus clair. Ouais, je suis en caméra 3 là-dessus. CP, c'est bon. C'est bon. Ok, allons-y, full speed dans les escaliers. Droite. Into. Demi-tour. Droite, into, demi-tour. Into, full speed. Ah, into, j'ai l'échec. Donc tu prends les noirs, je prends les blancs. C'est une blague. C'est un jeu d'échecs. Ah non, mais j'étais en train de réfléchir à quel point on avait devant nous. Bah y'a rien en fait. Ok, c'est un piège. C'est un piège. Si on passe derrière l'escalier, on peut voir qu'en fait... Eh bah y'a rien. Bah y'a rien. Et on peut pas remonter l'escalier, en fait c'était bel et bien un gros piège. On peut pas remonter l'escalier. Ah bah non, on peut pas. Est-ce que par hasard il faudrait pas dans l'escalier? Moi je soupçonne qu'il faille sauter comme une brute en diagonale. Tu vois ce que je veux dire? Genre on prend de la vitesse, on tourne en rond. On fait full speed into tournage en rond. Into petit dérapage. Into bourrinage qui n'a pas marché. Into. Ah, c'est presque passé. T'as coupé ta barbe. Je l'ai taillé, ouais. Je l'ai un petit peu taillé le week-end dernier, il me semble. J'étais tout seul à la maison, j'avais une tondeuse. C'est inévitable. Un accident regrettable, mais. Non, mais ça va, j'aime bien. Non, c'est pas comme ça. T'es passé, toi, Picmo? Évidemment. Sérieux? Oui, je suis au prochain site. Oh, le beau gosse. En fait, j'arrête pas de me prendre les lampadaires en sautant. T'as vu? Je me suis pris le lampadaire. Freine un peu plus. Je me suis pris le lampadaire. Et comme le dirait Pascal Légitimus, lampadaire, c'était moi! What? Oh, c'est un sketch des Inconnus, je sais pas si tu les connais. C'est sûr que je connais les Inconnus. C'est le sketch avec les filles qui... Bon sang, mais c'est incroyable! T'aimes bien les lampadaires. Avec les filles qui vont en boîte de nuit. Et puis avant, il y a une des filles qui dit « Ah là là, non, c'est le boîte de nuit, la semaine dernière, j'y suis allé, et puis il y avait une fille, donc où là, ça passe, ça. » Bon. Tu peux passer. Tu vas doucement. Beaucoup trop vite.
Ouais, bon, voilà quoi. L'homme pas l'air, etc. Et oui, et puis du coup, il y a une des filles qui dit oh là là, bah, je te laisse cette boîte la semaine dernière, mais il y a une fille totalement bourrée à la sortie qui a dit oh là là, regarde le nouveau lampadaire. Et le lampadaire, c'était moi. Et du coup, l'histoire continue. Et puis, à la fin, il y a Bernard Campan qui dit oh non, cette boîte là, j'y suis la semaine dernière. Puis en plus, ils ont installé un nouveau lampadaire à la sortie. Du coup, Pascal et Justinus terminent en disant le lampadaire, c'était moi. Voilà. Je pense que ça va être beaucoup plus drôle dans l'original. Ouais, non, mais l'original c'est en espagnol aussi, du coup ça joue pas mal. Ah, c'est en espagnol ? Ben vas-y, je comprends l'espagnol. El lampadero, mi corazón. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Non, toujours pas. Bon, ça me ressemble pas, mais je vais essayer par la droite. Moi, j'arrive. Je veux pas dire, j'arrive pas à droite. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Bon. Genre, c'est moi qui trouve par où faut passer. Et c'est toi qui fais ça en first try, bien. Peut-être prends moins de vitesse tout le long et freine pas. Je veux dire, c'est moi qui stream, hein. Ça devrait être moi la vedette. Pardon. Bah là, voilà. On a une caméra 4 sur moi. Toi, c'était déjà passé. Là, en fait, t'es juste en train de m'observer. Ah, ça doit être ça. Bah, j'y arrive pas. Ah là là, c'est dur, hein. Lampadaire. Allez, on pas l'air. Là, c'est beau, ce putain de lampadaire. Oui. Marche arrière, marche. Bon. Je vois pas. Oh, est-ce que je me suis retourné? Enfin, je me suis pas retourné, non, mais le rebond de la voiture a fait qu'elle a pas réussi à se stabiliser. Ouais, non, il faut quand même prendre un poil plus de vitesse. Mais la trajectoire était belle sinon. Alors, si je commence à accélérer à partir de là. Ok. Alors, je vais tenter un truc. On va juste prendre de la vitesse à partir de là. C'est un peu léger. Ah, figure-toi que va tomber sur le truc à droite ou à gauche, je peux passer. Moi, je suis passé en ayant atterri sur la droite. Faut peut-être prendre moins de vitesse et essayer de stabiliser sur le truc de droite. La trajectoire était bonne, hein. Mais ça arrivait sinon qu'il l'était pas. Bon, là, j'ai clairement pas assez de vitesse. J'ai clairement beaucoup trop de vitesse. J'ai un plan. C'est l'intérieur juste sur les bordures, sur le côté. J'ai un plan. Et c'est l'atterrir juste sur les bordures sur le côté. T'en penses quoi? non, en fait, mon vrai plan, c'est d'essayer plutôt de. Ok, non, j'ai pas vu qu'il y avait des gros carrés. Je te souhaite bon succès, ça c'est compliqué. Bonne soirée. Bien écoute, Nico, bonne soirée à toi aussi. Merci d'être passé sur le stream de l'Infidalerie. Et porte-toi bien. Jusqu'à la prochaine. Mais enfin. Tu vises à droite, va moins vite. Tu vises au fond, pas de vitesse, mais sinon. Il y a de la bordure, elle est tout le long de l'escalier.
Ah, mais j'arrive perpendiculaire au mur, c'est incroyable. Ah, c'est bien. Doucement. Comment qu'on fait là? Oui! Ah, c'est à droite. Sur la droite. Ouais. Et t'as vu First Try, hein? Alors moi je préviens, je te suis, hein. D'ailleurs de savoir où tu vas. Je n'ai aucune idée. Bah je vois ça. C'est à gauche en sortant. Alors tu reset, c'est à gauche. En fait, faut juste suivre la route. Et je pense qu'il faut avoir assez de vitesse pour faire un saut. Première vue. Ah, ça passe, ouais. Ensuite, tu continues de suivre la route. Putain. Je suis la route et tu arrives au dernier checkpoint. Du coup, caméra 4. Hop, 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 tu passes par là, tu passes par là, tu passes par là et on voit ton nom juste là. Full speed. Oui, ça c'est pas, je sais pas, ça lag. Oui, c'est passé ou pas? Oui. Ouais, ça passe. Parfait. Là, tu suis la route sans prendre trop de risques. Hein. Il n'y a pas besoin de vitesse. Ok. Peut-être à la fin, s'il accélère bien sur la dernière ligne droite quand même. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on est là, faut qu'on trouve la fin. Ah, mais ça ressemble au début. En fait, c'est carrément le début. Carrément, je pas genre... ici. Hein? J'ai tellement tourné ici que je reconnais. Eh oui. Alors. C'est par où que c'est? Est-ce que à tout hasard, en fait, maintenant qu'on a fait un peu le tour du. De la fête foraine. Faudrait peut-être pas juste sortir. Je ne sais pas, je ne crois pas. Et je les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Vas-y, moi j'ai quand même tenté ma stratégie. C'est par là. J'avais même pas fait gaffe que c'était une fête foraine. T'as pas vu la grande roue et tout et tout? Non, je viens de voir là mais... Ouais. Bon alors du coup mon plan n'est pas le bon. Ah. Assez étonnamment. Je pense que ça paraissait logique. Bah moi aussi figure-toi, moi aussi. Moi je vais sortir aussi, faut vérifier. Là je reviens au point de départ. Cette maison rouge, on est rentré dedans. Là on peut pas passer. Je suis retourné. Bizarre. Bah ouais, plutôt.
c'est pire. Ouais, non, on peut clairement pas retourner au point de départ. Non, il y a une bordure. Ouais. Dans l'eau, peut-être. Non. Il reste les gens connectés sur le serveur, ouais. Il n'y en a qu'un qui a fini. C'est Alco. Est-ce qu'il est encore? Il n'est plus là. Bah, j'hésite à demander à Alco s'il peut nous aiguiller sur le... Bah, je crois qu'il est plus là. Ah oui, en effet, il est plus là. Créneau de long. Par là? Bah non, mais il n'y a rien par là. Alors, je suis le créateur de la map, pas sur ce stream, bien évidemment. Il a invité volontiers à nous dire où est la fin de cette map. Youpou, chou, chou, chou. Pardon. La grande roue à la limite, mais je vois pas trop ce qu'on pourrait faire avec. C'est vrai. Et bon, comme le dit l'adage, on part pas sans avoir fait le tour. Ah, mais si, regarde là. Je suis sûr qu'on peut rouler sur les murs de la grande roue. Bon, ok, peut-être pas. Peut-être qu'il y a un mur sur lequel on peut rouler. Ça paraît bizarre parce que... Ah mais non. Parce que... Parce que là c'est la zone de départ donc... Salto que j'ai fait. Y a le bar à droite là mais on peut pas y rentrer. Parce qu'il y a bien une porte. Ça, il y a une baie vitrée. Et... Ça, c'est trop chelou. Toi, en bas à gauche, t'as quoi qui est marqué? Moi, j'ai 1. Moi aussi, mais tu... Il y a peu de temps, là, j'ai eu 17. Now finish. Oui. Je sais pas comment j'ai eu. Là, j'ai re-eu 1. Bah, moi non plus. Est-ce que tu penses qu'il faudrait retourner au premier checkpoint, genre dans la montagne russe, là? Le premier checkpoint, c'est pas la montagne russe. Y'a quoi par là? Ah, j'ai peut-être trouvé un truc. Ouais, je pense que j'ai trouvé. Je suis au CP, là, si tu veux me suivre. Derrière moi ou pas? Ouais. Ok. Donc si je me plante pas, c'était là-bas. Ouais, c'est là, c'est là-bas en ligne droite. Bon, il y a un virage, hein, ça sert à rien de full speed. Hop. Là, tu montes un peu sur la terre, mais surtout tu tournes, pardon, à gauche. T'as pas besoin de tout monter sur la terre, en fait. Oui. Non mais oui. Non, mais, voilà. Écoute, moi je fais mes expériences en live devant des millions de gens. J'ai déjà passé ici. Ouais, mais j'ai peut-être rasé un truc. Bah, ah putain, il y a une... y a un petit tremplin ici. Il y a un tremplin. Où? C'est là. Ah, merde, mais attends, moi je suis. J'arrive, attends. Je dois reset parce que j'étais. Tomber dans un endroit inextrublable. Pardon, j'ai un cheveu sur la langue. Ça prend pas sur la droite. Hop. Un tremplin sur la droite, ok. Finish. Bon, ouais, la fin était pas ouf. Elle était pas ouf. Elle était pas ouf. Ah, du coup, on leur fait? Non, je plaisante. J'ai pas envie de leur faire ça. Elle était quand même relativement sympa.
Elle était relativement sympa, j'admets. C'était un petit peu.